Bonjour à tous. Aujourd'hui, une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle leçon du chapitre numéro 2 de la formation numéro 2 en chamanisme, le rituel de dégagement et de nettoyage du karma de la lignée. Donc nous allons voir précisément le soin chamanique de dégagement de l'arbre de la lignée familiale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous allez voir que en fait nous allons travailler en fait sur la lignée familiale, votre lignée familiale et celle de vos clients. Vous avez pu faire donc la connexion de votre propre, de votre maître de karma. Vous pouvez travailler en fait avec lui vos problèmes karmiques. C'est très intéressant pour vous de le faire. Nous allons continuer en fait sur le travail de dégagement, de nettoyage de la lignée. C'est quelque chose qui est très important. Si à l'heure actuelle vous avez des schématiques de tout ordre qui correspondent avec votre famille d'âme, c'est-à-dire la famille avec laquelle vous vivez, vos enfants, vos parents, vos arrière-grands-parents, etc. Et j'en passe. C'est qu'il y a encore des choses à régler et à guérir. Si vous voulez aider vous-même et ces gens-là et vos enfants, bah, il faut vous mettre au travail et il faut travailler là-dessus. Hein, parce qu'en fait, toutes vos insatisfactions, c'est parce que c'est un manque de travail sur soi. Alors souvent, c'est inconscient hein, parce qu'on ne sait pas pourquoi on n'a pas de mari, par exemple, ou on n'a pas de travail, ou on n'a pas le travail qu'on aimerait avoir. Ça, c'est deux exemples, mais pour tout le reste, c'est pareil. Alors en fait, il y aura le rituel de dégagement de la lignée. Plusieurs composantes, en fait, vont rentrer en jeu. Il nous faut l'autorisation du maître de karma, de notre maître de karma, de la lignée, il va nous le donner, cela va nous dépasser, cela va être entre le maître de karma et les ancêtres qui vont faire le travail, le dégagement sur l'arbre de la lignée. Cela va se passer au sein de l'arbre des ancêtres, c'est un soin qui va soigner nos blessures. On ne va pas être au courant sur quoi précisément qu'on travaille, on dira au client c'est un travail global. Alors on va voir pourquoi après, je vais vous expliquer pourquoi. Pour le même travail, on va inviter la première mère et le maître de karma. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs travaux à faire les uns derrière les autres. Donc vous prenez des notes, vous allez dans l'ordre, bien sûr, donc il n'y a rien d'alarmant, vous allez tous y arriver. Et puis vu que j'enseigne ça depuis 1987, je peux vous dire que tous mes élèves, je dis bien tous mes élèves y ont arrivé, parce que je pense que je dois avoir un niveau d'enseignement qui leur correspond, qui correspond aux gens. Hein, parce que je suis patient, je me rends disponible la plupart du temps et toute la semaine. Donc voilà, je fais de mon mieux. Donc on va travailler, on va inviter la première mère, le maître de karma dans l'arbre des ancêtres. Attention, c'est un arbre, vous l'avez à deux endroits. Hein, vous l'avez à deux endroits, cet arbre des ancêtres, dans deux mondes différents. Donc ne vous trompez pas. Comme je l'ai expliqué en détail à mes élèves dans une leçon précédente. Alors, on va voir comment aller et comment y aller et surtout où aller, dans quel monde en question. Parce qu'il ne faut pas vous tromper. Alors, si vous vous trompez, vous recommencez puisque de toute façon, vous allez avoir toutes les méthodologies dans mes enseignements. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper, vous relisez plusieurs fois, etc. Voilà, hein. C'est un rituel, un soin très majestueux, on va voir. Alors quand on le fait, vous verrez, après vous vous sentez plus fort, plus costaud, plus robuste, vous vous sentez poussé en avant, voilà, vous sortez de la déprime, etc. Vous allez être quelqu'un de plus énergétique. On va voir, et en fait, on va voir comment et se renseigner auprès de nos ancêtres à quel moment on va faire le rituel de remerciement. Je vais vous l'expliquer dans la vidéo suivante. Alors ça, c'est ce rituel-là de remerciement, c'est le rituel qu'on aura à la fin, bien sûr, de ces soins.
À l'issue, donc envoyez-moi vos devoirs, vos exercices pour mes élèves. Quand vous ferez le rituel de dégagement familial, expliquez-moi ce que vous avez fait et vu. Vous ferez cela aussi pour vos clients et me dire comment cela s'est passé. Alors aujourd'hui, on va faire la répétition, expliquer qu'est-ce qui se passe à notre maître des karmas. Alors, dans les enseignements chamaniques, avant d'arriver vraiment à rentrer dans le protocole de soins, il y a toujours des exercices en amont, hein, qui font la répétition, on va chercher des informations, et après on fait un diagnostic chamanique, et après on fait le soin chamanique, hein, qui sont plus ou moins deux soins. C'est toujours comme ça, hein, dans tous les soins chamaniques ancestraux, depuis les origines, c'est toujours comme ça. Voilà. Alors, voilà, donc expliquer qu'est-ce qui se passe à notre maître de karma, donc vos petites galères, vos petites épreuves, etc. Hein, à notre première mère aussi, à nos ancêtres, on va avoir les techniques, on va avoir les techniques par ces gens-là, hein, par nos ancêtres, par cette lignée, et comment cela va se passer et qu'est-ce qu'on va faire dans le monde intermédiaire. Car on va participer pendant ce rituel, il faudra faire des choses ici par exemple. On va créer un autel chamanique avec des éléments à mettre très précisément. Alors souvent, je vois sur les réseaux sociaux, les gens ils disent comment on fait ceci, comment on fait cela, comment on crée un autel, etc. Mais je veux dire, il faut avoir les bases concrètes par un maître, vraiment par un chaman, hein, vraiment qui a été, qui a reçu ces formations. Et qui a reçu le rituel d'initiation chamanique, c'est-à-dire qu'il a été présenté au monde des esprits, etc. Voilà, parce que pour enseigner, il faut en être là. Hein. Voilà. Donc vous verrez, l'autel chamanique, vous allez voir, c'est pas juste mettre des brins d'herbe, récupérer des pommes de pin, etc. Hein. C'est bien plus que ça, et c'est un autel qui est très très fourni, qui est très garni. Hein, donc il va falloir mettre beaucoup de choses. Hein. Alors voilà, donc on va voir dans la méthodologie qui vont suivre. Donc aujourd'hui, nous travaillons dans deux mondes chamaniques différents. Hein. Donc on va voir les protocoles de comment passer d'un monde à l'autre. Alors vous savez, parce que je vous l'ai expliqué dans certaines vidéos précédentes, que dans le voyage chamanique, vous pouvez passer d'un monde à l'autre, dans le même voyage, etc. Bon, les gens qui débutent souvent préfèrent faire deux voyages différents, ça peu importe. Moi, je suis à un stade où je passe dans les trois mondes, de l'un à l'autre, comme ça, avec une facilité déconcertante, parce que bon, c'est aussi mes années de pratique qui font ça. Et puis, moi, le chamanisme, c'est une passion. Et puis, quand je vois que c'est au niveau de ma famille, voilà, hein, parce que en fait, le chamanisme, pour moi, il est évolutif, mais avant ça, il était familial. Donc familial, j'ai reçu quelques enseignements, après je me suis aussi formé. Donc voilà, donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle un chaman. Sinon, si vous n'avez pas une lignée familiale chamanique, vous êtes des néo-chamans pour ceux qui apprennent et qui auront, je dirais, qui auront un niveau avancé. Hein. En chamanisme, bien sûr. Voilà. Alors, il faut avoir la connexion avec la première mère. Il faut surtout faire l'autel chamanique avec le symbolisme qu'on y met dessus. Hein. C'est un peu comme les autels chinois. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est pour certains. C'est-à-dire que quand vous allez chez des personnes asiatiques, des Chinois notamment, ils ont un autel des ancêtres avec différentes choses autour de cet autel. Souvent, c'est quelque chose qui part du sol et qui va jusqu'au plafond. Voilà, avec différentes symboliques qui sont autour et dessus. Donc avoir le symbolisme de notre lignée, si on ne sait pas, demander aux ancêtres, à la première mère, pour remplir notre autel. On utilise le même autel pour faire le rituel de remerciement. On va le voir dans la vidéo suivante. Je vous invite à faire ce voyage et on se retrouve dans la vidéo suivante. Comment faire la protection de la lignée. Voilà, c'est quelque chose qui est très important à faire aussi pour éviter que la lignée soit attaquée. Combien de personnes que je soigne, etc., qui ont été attaquées, leur lignée familiale, ont été attaquées par la magie noire dans les vies antérieures, etc. Donc bah, souvent, bah, alors moi je vais dégager la magie noire, puisque le chaman fait ça, hein, un chaman fait ça. Voilà, donc il enlève la magie noire.
aussi. Donc ça va très loin, vous savez, le chamanisme. Le chamanisme, en fait, c'est toutes les méthodes que vous connaissez en médecine naturelle qui sont regroupées en fait dans le chamanisme. Toutes, je dis bien toutes. Donc voilà, donc le chamanisme, c'est quelque chose de très complet et on ne devient pas chaman comme ça. Et bien sûr, avant, quand on arrivait à un niveau, je dirais au niveau 2, en chamanisme, on commence déjà à être chaman. Hein, quand on arrive à la fin de la formation et que j'ai donné le certificat pour les professionnels. Voilà, parce que ça, on doit demander, on doit passer quand même par des stades, voilà. Et surtout quand on a appris à travailler aussi avec les élémentales, les élémentaux et les élémentaires. C'est important, c'est-à-dire que c'est les esprits du petit peuple, du monde du milieu. Donc tout ça c'est le chamanisme, hein, ce que je vous parle. C'est un chamanisme vraiment global, holistique. Hein. Donc dans la vidéo suivante, nous verrons le soin chamanique en détail avec la méthodologie et me le renvoyer. Voilà, je vous remercie, à la semaine prochaine et à bientôt à tous. Merci, bon week-end à tous et gros bisous.